Des briefings, j'en ai connu, mais le premier vous reste en mémoire. Il est maintenant 8h, 35 minutes et 20 secondes. Nous mettons les moteurs en marche à 42. Des questions? Des questions, j'en avais un tas à poser, mais je me retiens. Nous nous sommes équipés, nous avons vidé nos poches et nous avons pris notre pochette d'évasion. Puis nous avons mis en route et roulé jusqu'à la piste. Collage, puis grimper en formation. En l'air, je suis calme. Plus de goût amer dans la bouche, plus d'estomac serré. D'œil aux instruments, tout va bien. Mes camarades sont là, en formation parfaite, rien à craindre. Je me souviens que je dois surveiller le ciel, alors j'essaye, mais je le fais très mal. Durant cette longue traversée, je pense à la bagarre, à la rencontre avec l'ennemi. Des ordres dans les écouteurs, mais j'entends mal. Qu'est-ce qu'il dit de contrôle collé? 10 aircraft, several chambres. Ok, control, roger. Whiskey aircraft, open your eyes. Puis la côte surgit. C'est la France. Soudain, des flocons noirs devant nous. J'aime pas ça. Le leader nous entraîne dans quelques évolutions. J'écoute ses ordres, j'obéis, mais mon inexpérience freine encore mes mouvements.
Et déjà c'est le retour. Ce sweep au-dessus de la France m'a semblé si court, et le retour si long. Après l'atterrissage, toujours dans mon spit, je rêve au bonheur qui m'a assailli au-dessus de la France. A partir de cet instant, je vole en opération le plus possible, et en peu de temps, je deviendrai chef de patrouille.